Il est, comme on dit, un enfant du pays. Cyprien a accordé une interview à BFM Nice Côte d'Azur. Le youtubeur qui est né à Nice a dessiné un char pour le carnaval, dont le coup d'envoi est le 17 février prochain. Un char sur le thème de la pop culture. Au micro d'Esteban Xivecas, Cyprien nous raconte son attachement à Nice et à son carnaval. Pour moi, c'est un rêve de gamin, tout simplement. Vraiment, j'étais spectateur du carnaval et maintenant j'en suis acteur. C'est génial et c'est dans les meilleures conditions, dans le sens où moi je subis aucun stress ou quoi que ce soit. Je m'amuse à faire un dessin et des gens qui sont meilleurs dans tout ce que je pouvais imaginer le font de manière encore plus grandiose. Donc c'est que une superbe expérience, et de partager ça avec les Niçois en plus, ben moi ça me reconnecte un petit peu aussi avec ma culture, avec ma famille, avec là où j'ai grandi, donc c'est super. Et c'est un grand livre ouvert. Dessus il y a un bateau de pirates de One Piece. Et dessus, il y a plein de personnages qui sont mélangés. Par exemple, il y a Luffy de One Piece, qui est un manga, mais aussi mélangé avec Astérix, que tout le monde connaît. Donc plusieurs personnages sont comme ça. Et au centre, il y a un énorme titan, qui est un mélange de L'Attaque des Titans, qui est un manga, avec Spirou, puisqu'il est habillé en rouge avec son chapeau de groom, qui vient casser le bateau en deux. Donc ça va représenter un petit peu toute la composition. Et dessus, il y aura bien sûr des danseurs, des cosplayers et plein d'autres personnages. Je leur donne un dessin qui parfois est bâclé et ils font quelque chose d'exceptionnel avec. Le travail il est très simple, on a juste à être bluffé par la qualité. C'est de la peinture, c'est différentes techniques, différentes lasures, différents vernis. On oublie, mais il y a aussi un conducteur. Quand j'ai vu un trou avec un volant, je me suis dit mais c'est Mario Kart avec un char de plusieurs mètres, c'est incroyable.